Et on commence. Voilà, bah bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est très heureux de recevoir donc Paul-Adrien Hippolyte, qui est un camarade, qui est master 2015 de l'IX, mais qui avant avait aussi fait donc Normal Sup et le corps des mines. Donc là, il va nous parler d'un sujet très important dans le cadre de la relance, qui est la relocalisation, notamment parce que Paul-Adrien a publié très récemment donc une note sur relocaliser la production après la pandémie pour fonds d'Apple. Donc, on va procéder comme d'habitude avec 15-20 minutes de présentation de notre orateur ce soir, puis des questions-réponses par le chat ou directement en levant la main si vous préférez. Voilà, donc Paul-Adrien, tu as la parole pour 15-20 minutes. Voilà, on est très heureux de t'entendre ce soir. C'est à toi. Merci beaucoup Laurent pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de cette note que j'ai écrite pour la Fonds d'Apple, publiée récemment. Étant fonctionnaire par ailleurs, comme le disait Laurent, je tiens à vous dire que je m'exprime ici à titre personnel et que donc c'est le fruit d'une réflexion personnelle et rien de plus. Donc, vous pouvez retrouver par ailleurs le document en ligne à l'adresse que j'ai indiquée ci-dessous, si ça vous intéresse, d'en regarder plus en détail. Alors, la réflexion est partie du coup du débat public et engendrée par la crise Covid. Et donc, avec cette question, pourquoi relocaliser? En quoi est-ce pertinent? Et si oui, quoi? Donc, il y a plusieurs arguments que j'ai essayé de synthétiser en trois points. Le premier, c'est celui qui est bien connu, hein, qui ne date pas de la crise, mais c'est l'argument que les délocalisations ont réduit nos capacités de production actuellement, hein, de biens essentiels sur le territoire, et conduit à la disparition de précieux savoir-faire industriels. Et donc, ça, c'est l'idée derrière que bon, c'est revenu en force pendant la crise, puisqu'on a vu qu'on avait du mal à produire certains équipements médicaux, dispositifs médicaux plus ou moins sophistiqués, allant des masques de protection jusqu'aux respirateurs. Et donc, à contrario, l'exemple de l'Allemagne a souvent été pointé en disant voilà, c'est la puissance bien connue de l'industrie allemande qui aurait permis à l'Allemagne, du moins dans la première partie de la crise, de mieux résister. Que ce soit par sa production d'équipements médicaux, de tests, etc. Donc, c'est un argument qui a été avancé. À celui-là, ça ajoute un second qui est l'exacerbation des tensions sur la scène internationale et la montée en puissance des nationalismes qui font planer la menace d'action commerciale unilatérale. Donc, c'est le recours aux instruments de contrôle des exportations. Et donc, derrière ça, il y a l'idée qu'on ne peut pas accepter de dépendre du bon vouloir de puissance étrangère pour assurer les besoins vitaux du pays. Et donc, ça nécessite d'avoir un minimum de capacité de production en biens essentiels sur le territoire. Troisième point, et celui-là est vraiment spécifique au commerce international, c'est la question de la fragmentation des chaînes de valeur, donc de la production industrielle le long des chaînes de valeur, qui est vue par certains comme un facteur de fragilité, notamment en raison de la présence potentielle de goulots d'étranglement le long de la chaîne de production, et puis voilà, de l'incapacité à savoir qu'est-ce qui est produit exactement où, dans quelles conditions, et est-ce qu'on peut monter en cadence facilement en cas de crise, en cas de besoin, pour produire des biens essentiels. Donc, c'est ces trois points-là qui sont les plus avancés, à mon sens, dans le débat public pour justifier les relocalisations. Et donc, partant de ça, j'ai réfléchi à voilà, est-ce qu'il y avait des contraintes, quels étaient les coûts également pour mettre tout ça en perspective et du coup, qu'est-ce qu'on pouvait faire concrètement. Donc, il y a quand même un point important, c'est l'impossible relocalisation de beaucoup de chaînes de valeur qu'il faut, je pense, tous avoir en tête. Pour plusieurs raisons, des contraintes géographiques, j'y reviendrai, des contraintes technologiques et puis des contraintes économiques qui s'imposent à nous. Alors, géographique pour commencer, c'est la question, l'exemple le plus probant, je trouve, le plus parlant, c'est celui du secteur énergétique. Vous voyez ici sur l'écran s'afficher le mix énergétique de l'Union européenne des 27. Et donc, on voit ici avec les ratios consommation-production que l'Europe est en fait le continent, la zone géographique, qui dépend le plus des importations pour sa consommation d'énergie. Pour une raison assez évidente, hein, qui est que les gisements sont inégalement répartis et que donc on a besoin des importations pour notre consommation. Pour donner quelques chiffres, c'est 45% de notre consommation de charbon au niveau de l'Union européenne des 27 qui est importée. C'est 54% pour le gaz, 80% pour le pétrole et 95% encore plus pour l'uranium, qui est absolument crucial pour notre filière nucléaire.
Donc, ceci étant dit, s'ajoute à ces contraintes géographiques, des contraintes technologiques. Et dans la note, je développe l'exemple des écrans d'appareils électroniques, télévision, ordinateur, smartphone. Et donc, il y a plusieurs générations technologiques qui se sont succédées tout au long du XXe siècle et du début du XXIe. Donc, les écrans à tube cathodique, les écrans plasma, et puis plus récemment, les écrans cristaux liquides et les écrans dits OLED, diodes électrolumineuses et électroluminescents organiques. Et en fait, on a depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, perdu pied complètement dans ce secteur, avec des productions, une concurrence asiatique déjà au début des années 70, et puis surtout les évolutions technologiques avec les deux dernières générations d'écrans que je mentionnais dans les années 90, qui ont conduit à l'évancement des producteurs français. Donc, il y avait la Radiotechnique, par exemple, Thomson également, Schneider Radio Télévision. Et tous ceux-là ont été soit rachetés, soit sont sortis du marché, avec aujourd'hui un contrôle qui est complètement assuré par les producteurs asiatiques. Donc, c'est des géants assez bien connus en Corée du Sud, comme LG, Samsung, mais aussi des entreprises moins connues, mais tout aussi importantes en Chine, comme BAE Technologies, Innolux à Taïwan, etc. Donc, c'est des technologies ultra spécifiques qui évoluent extrêmement vite et qui requièrent des investissements capitalistiques absolument colossaux. À titre d'exemple, la dernière usine, justement à Wuhan, de BAE Technologies, d'écran LCD, c'est 7 milliards de CAPEX. Donc, absolument majeur. Et aujourd'hui, on n'aurait pas la possibilité de relocaliser ça extrêmement facilement, sauf à réussir à attirer des géants technologiques asiatiques, mais qui sont au plus près du marché, là où sont la demande. Donc, c'est très difficile de les envisager chez nous. Donc, à ces contraintes technologiques s'ajoutent enfin des contraintes économiques. On pourrait aussi ajouter des contraintes réglementaires, mais déjà, tenons-nous-en à cela. Pour ce qui est des contraintes économiques, il y a bien sûr la question des rendements d'échelle, de l'accès à un coût du travail faible. Et c'est extrêmement structurant pour des marchés de quasi-commodité. Dans la note, je développe l'exemple du paracétamol. On le produisait, donc c'est le principe actif qui est utilisé dans la production de Doliprane, de Farallon, etc. On le produisait sur le territoire français jusqu'en 2008, où la dernière usine à l'époque a fermé, c'était dans l'Isère, à Roussillon. Et le directeur pardon, de l'usine à l'époque faisait état d'un différentiel de compétitivité coût de 1,5 à 2 par rapport aux concurrents indiens et chinois qui progressivement ont atteint un niveau de qualité absolument équivalent et donc complètement tué le marché en raison des rendements d'échelle et du coût de main d'œuvre qui existe là-bas. Donc, tout ça étant dit, il y a donc un premier point à avoir en tête, c'est l'impossible relocalisation ou la relocalisation très très difficile d'un certain nombre de chaînes de valeur. Et à cela s'ajoute un autre argument qui est le fait que dans bien des cas, le sujet n'en est pas vraiment un au sens où il y a beaucoup d'exemples où ce n'est pas problématique. La réalité du commerce international et les économies développées étant telle qu'il y a des dépendances mutuelles entre pays, des intérêts bien compris, qui protègent de fait des stratégies non coopératives que pourrait être tenté d'utiliser telle puissance. Et donc, du coup, il y a un intérêt aussi pour des questions d'efficacité économique, à se spécialiser et à bénéficier du commerce international pour un certain nombre de productions. Les cas types, c'est un pays A qui va importer du pays B un bien, dont la production de ce bien dans le pays B a nécessité des technologies, par exemple, du pays A. Donc, c'est évident que le pays B n'aura jamais intérêt à arrêter d'exporter dans la mesure où sinon, de toute façon, il ne pourra pas produire. Il fera face à des conséquences importantes. Un autre exemple, c'est un pays A qui importe du pays B un bien intermédiaire qui va être en fait produit, assemblé dans le pays A, qui va ensuite le réexporter dans le pays B, qui en dépend pour sa consommation finale. Donc là aussi, il y a des relations de dépendance qui sont mutuelles et qui, de fait, ne posent pas problème a priori. Autre point qui vient nuancer la question de des relocalisations, du moins qu'il faut avoir en tête, c'est la question des coûts de cela. On ne peut pas, bien sûr, parler de bénéfices sans voir les coûts en face et c'est important d'avoir un trade-off et de regarder quel est l'impact net. Dans des secteurs qui sont concurrentiels où les marges sont par définition faibles, il y aura forcément une répercussion des surcoûts quand j'entendrai des relocalisations sur les consommateurs. Et ça veut dire, selon le niveau de la chaîne de valeur, un impact sur la compétitivité des producteurs, aval, ou des consommateurs, enfin des ménages, et donc de leur pouvoir d'achat en fin de chaîne de valeur. Pour des secteurs oligopolistiques, où les marges sont en revanche plus importantes,
Là, la question de l'incident se pose. Il y aura une possible internalisation des surcoûts par les entreprises relocalisées. En revanche, se pose là la question de leur compétitivité par rapport à leurs concurrents internationaux, puisque dans des secteurs où il faut, pour rester pertinent, énormément investir en R&D, en CAPEX, etc., toute internalisation du surcoût conduira de fait à un moindre investissement et donc potentiellement à un décrochage. Et troisième point, c'est le risque de représailles commerciales, qui là aussi, je pense, est important d'avoir à l'esprit, pour notamment tous nos secteurs qui sont très exposés, très dépendants du commerce international. Donc, il y a bien évidemment l'aéronautique, le luxe, l'agroalimentaire. Et donc, voilà, évidemment, en étant dans un jeu répété, c'est pas possible d'envisager des relocalisations qui seraient, entre guillemets, non coopératives sans envisager ce type d'enjeu. D'où la nécessité d'avoir des analyses et des arbitrages coûts-bénéfices pour envisager les relocalisations de façon pertinente. Autre point, c'est l'existence d'alternatives. Ça conclura la première partie de mon propos sur les relocalisations. Il y a évidemment la possibilité d'avoir du stockage pour certains biens, pas tous évidemment, pas ceux qui sont périssables. On peut penser au stockage stratégique de pétrole et ça pourrait se généraliser à d'autres types de biens, notamment des dispositifs médicaux. Il y a la possibilité de diversifier les chaînes de valeur. Donc, c'est faire appel à des fournisseurs dans un certain nombre de pays, quand c'est possible, ça n'est pas toujours. Il y a certains biens pour lesquels la production est extrêmement concentrée, mais celle pour laquelle ça l'est, c'est tout à fait envisageable. Et troisième point, l'idée d'un approvisionnement commun au niveau européen. Dans le domaine de l'uranium, par exemple, on a l'agence d'approvisionnement Euratom qui pourrait servir de modèle, notamment pour la question des dispositifs médicaux. Donc, tout compte fait, cela amène à, et c'est ce que je fais dans la note, à définir un périmètre de relocalisation qui est restreint, par définition, mais non négligeable, non nul. Donc, c'est l'intersection de ces trois cercles, schématiquement, de biens essentiels au fonctionnement du pays en cas de crise. Donc, on a connu une crise sanitaire, mais on peut envisager, bien évidemment, d'autres exemples, crise environnementale, technologique, etc. Un risque de rupture d'approvisionnement parce que les chaînes de valeur, par exemple, sont très complexes, très fragmentées, donc avec des goulots d'étranglement potentiels. Et puis, pas d'alternative plus efficace, type stockage, diversification, approvisionnement commun que je mentionnais avant. Donc, quand ces trois conditions sont vérifiées, là, on a prévu un périmètre de relocalisation qui est tout à fait pertinent et pour lequel on peut tenir compte des coûts en face et envisager des arbitrages appropriés. Néanmoins, la thèse que j'ai développée dans cette note pour la Fondapol, c'est le fait que ce périmètre de relocalisation étant défini, le débat, à mon sens, n'est pas épuisé et qu'il importe de localiser, en jouant sur le terme, plutôt que de relocaliser un certain nombre d'activités et de services critiques. Et donc, c'est notamment les technologies numériques qui m'ont intéressé ici, puisque on a clairement, dans un certain nombre de segments de ce secteur, et si ce n'est dans tous, un retard majeur sur les États-Unis et puis de plus en plus sur les grandes puissances asiatiques, Japon, Chine, Taïwan, Corée du Sud, dans les technologies numériques. Et donc pour ça, j'ai pris trois exemples que j'aimerais vous présenter rapidement ici. C'est l'exemple un peu emblématique d'Apple, qui est la première capitalisation boursière mondiale aujourd'hui. Celui plus général des semi-conducteurs, donc au sens de la chaîne de valeur, des équipements et des logiciels pour les produire jusqu'aux unités de production, et le cloud, qui est là aussi une industrie très large, mais qui mérite une attention particulière. Donc pour Apple, en fait, à partir de la supplier list que publie Apple, donc la chaîne de tous les sous-traitants, enfin des principaux sous-traitants, que publie l'entreprise chaque année, depuis un certain nombre d'années, on peut arriver à les géolocaliser et les représenter sur une carte de chaleur, en l'occurrence. C'est ce que vous voyez à l'écran. Et donc là, on voit que la concentration est absolument énorme de sous-traitants en Asie, notamment au Japon, à Taïwan et en Chine. Et donc là, vient un constat qui est que non seulement en Europe, on n'a pas su faire émerger de géants technologiques de l'envergure d'Apple, contrairement aux Américains avec, par exemple, bien sûr Apple, mais aussi Google, et aux Asiatiques avec Samsung ou Huawei, par exemple, mais on n'a pas non plus su se positionner, je dirais, en amont de leur chaîne de valeur et donc tirer parti de leur développement en développant des produits et services critiques en électronique, comme l'ont fait très bien, en revanche, les Japonais, ce que vous voyez sur la carte, les Taïwanais et bien sûr les Chinois. Donc, de l'amont à aval, je dirais, on a un retard qui est vraiment très conséquent.
Ensuite, pour les semi-conducteurs, j'ai représenté dans la carte que vous voyez ici la localisation des sièges sociaux et en fonction de la surface de l'aire des disques, la capitalisation boursière des principales sociétés de la chaîne de valeur en Europe, en Asie et aux États-Unis. Donc, ça va vraiment des équipementiers qui produisent des équipements qui font les fabs, aux concepteurs de logiciels, aux producteurs eux-mêmes de semi-conducteurs. Et donc, là, ce qui s'affiche en noir, c'est la somme de ces capitalisations boursières. Et vous voyez que les 5 fois supérieures aux États-Unis, à peu près 2 fois en Chine, en Asie, je veux dire, pardon. Et donc, au niveau de la présence des sociétés, de la production de la propriété intellectuelle, on a vraiment un retard majeur dans cette industrie. C'est également le cas des unités de production, des fabs, où on fabrique les semi-conducteurs. Donc là, vous voyez les principales fabs mondiales géolocalisées. Elles se concentrent au Japon et à Taïwan, essentiellement. Il y en a un peu en Europe, mais c'est dans des proportions bien moindres. Et puis, si vous regardez la dernière industrie que j'avais évoquée, le cloud, donc là encore, ça couvre vraiment la chaîne de valeur, de la fourniture des équipements qui font dans les data centers jusqu'aux fournisseurs de services logiciels en ligne, les SaaS. Il y a un écart absolument colossal entre l'Europe et les États-Unis et l'Asie. Écart qui est grandissant, puisque si on regarde en fait, les sociétés un peu moins matures qui rentrent sur le marché capitaux, les écarts de levée sont absolument considérables. J'ai regardé, à titre d'exemple, les chiffres depuis le début de l'année. C'est 650 millions de dollars levés sur. Excuse-moi, Paul-Adrien. Ouais. Ouais, en fait, on entend pas mal tes feuilles quand tu les bouges. Elles doivent être près du micro. Donc, tu as fait un bruit de fond. Donc, voilà, juste. Mais sinon, c'est passionnant. Donc, continue. Continue. Ah, donc, je reprends du coup sur ces chiffres de levée de fonds en tech. C'est depuis le début de l'année 650 millions de dollars pour l'Union européenne sur les marchés de capitaux. Les chiffres aux États-Unis, c'est 9,2 milliards de dollars, donc 14 fois plus, à peu près le même ordre de grandeur que le delta de capitalisation boursière entre l'Europe et les États-Unis que je vous montrais pour le cloud. Et en Asie, c'est 23 milliards, 35 fois plus. Donc, ça donne aussi une idée de la dynamique et donc de l'écart encore grandissant qui risque de se préparer. Donc, ceci étant dit, quelles sont les conséquences de ça? Je pense qu'elles sont triples. Elles sont d'abord sur les performances économiques, ensuite sur la question de résilience qui est hyper importante et enfin sur des questions de stratégie et de géopolitique. Au niveau de la performance, le raisonnement est assez simple, c'est les industries qui créent énormément de valeur. On assiste à une fuite de cerveau et le fait qu'on soit moins capable de faire émerger des sociétés de ce type prive la société en général d'emplois qualifiés, des ingénieurs, des développeurs, mais aussi des profits et de fait des recettes fiscales que cela peut générer. La question de résilience qui est très importante aussi, je pense que la crise du Covid, si elle a montré une chose, c'est le caractère vraiment essentiel de ces équipements électroniques et des services numériques. Et de fait, le fait de ne pas les avoir sur le territoire, de dépendre d'autres puissances pour certains services, c'est potentiellement problématique. Et la crise agit par ailleurs comme un formidable accélérateur de cette transition numérique et risque donc en fait d'accroître cette divergence qu'on observe déjà entre les sociétés et donc les profits, la création de valeur dans le secteur des entreprises européennes versus américaines et asiatiques. Et puis, dernier point, c'est la question de stratégie de géopolitique. Il me semble que la maîtrise de ces technologies, elle est absolument structurante dans les rapports de force internationaux. Et on le voit bien avec la guerre commerciale aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Si on prend souvent, on parle de souveraineté alimentaire, etc. La crise fournit un exemple intéressant. Les Chinois étaient très dépendants des Américains pour les importations de soja. Ils ont assez facilement réussi à substituer ça auprès de producteurs, notamment d'Amérique latine. En revanche, pour ce qui est des semi-conducteurs, à la fois dans les logiciels de conception, dans les équipements. Là, ce que sont en train d'infliger les Américains aux Chinois est beaucoup plus violent dans le cadre des sanctions envers Huawei et plus récemment l'entreprise ASMIC, qui est le géant la fonderie géante de semi-conducteurs chinoise. Donc, quels enseignements en tirer si on s'accorde sur le fait que c'est problématique, ce retard technologique européen? Est-ce qu'il faut des stratégies de rattrapage? Ça, je pense que c'est difficile au sens. Enfin, ça dépend de qu'est-ce qu'on appelle rattrapage. Mais si c'est la reproduire exactement à l'identique, ça va être, à mon avis, très difficile parce que notamment si on veut avoir des géants du cloud, les investissements en CAPEX sont absolument colossaux.
pour essayer de, ne serait-ce que de répliquer l'existant. Et il y a un risque, pendant qu'on répliquera l'existant, de décrocher en fait davantage parce qu'on sera encore, on s'éloignera encore de la frontière technologique. Donc, je pense qu'il y a une alternative qui est plus crédible, c'est essayer de se positionner intelligemment dans les chaînes de valeur qui existent sur ces marchés numériques et donc de faire émerger des business et puis des technologies qui sont susceptibles de créer de la valeur à court terme et puis surtout de devenir centrales à l'avenir et donc de créer des relations de dépendance mutuelle qui en fait rendent les échanges internationaux non problématiques entre guillemets comme je le disais au début. Et ça, il y a un vrai potentiel parce que notamment en matière de logiciels, le segment SaaS, aujourd'hui, il y a un accès aux infrastructures cloud qui fait que les coûts de lancement de ces entreprises sont faibles. Et donc, il y a un vrai potentiel de création de valeur dans le domaine en faisant émerger les entreprises dans ce segment. Alors, quel levier, et je conclurai le propos sur ça, quel levier de politique publique pour essayer d'accélérer ce trend? C'est d'une part l'éducation et la formation, beaucoup, beaucoup investir dans l'enseignement de l'informatique, en ingénierie, dans le code. Le fait qu'on n'ait pas trop de code, par exemple, à un niveau assez tôt, hein, je pense dès le collège, est un problème aujourd'hui. On peut presque même, c'est un peu caricatural, mais on peut presque même sortir aujourd'hui de Polytechnique sans savoir coder. Et je pense que c'est assez symptomatique de l'éducation qu'on a et de la déconnexion qu'elle a vis-à-vis des réalités du numérique aujourd'hui. La culture entrepreneuriale. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, hein, notamment sur le campus Alix, mais pour essayer d'encourager bien davantage encore qu'aujourd'hui les jeunes à créer des entreprises. Une allocation du capital aussi qui est plus agressive. Les États-Unis et la Chine, notamment, à mon avis, réussissent parce qu'ils allouent les moyens financiers de façon beaucoup plus déterminante dans ces domaines. Alors que nous, on a une allocation du capital plus conservatrice en Europe. Et puis l'harmonisation réglementaire européenne aussi, qui est un levier important pour faire croître la taille du marché, avoir un vrai marché unique, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de domaines encore, et donc la taille critique pour faire grandir assez rapidement les startups qui émergeraient chez nous, de la même manière qu'elles peuvent le faire en Chine et aux États-Unis par exemple. Voilà, merci beaucoup, et ouvert bien sûr à vos réactions, vos questions. Merci Paul Adrien, c'était très 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 intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les questions du chat, en rajouter une, et puis voilà, donc je vais prendre toutes celles qu'on a pour le moment. Je vais commencer par la mienne. Tu es au fonctionnaire, on a bien compris que tu parles en ton nom personnel, mais est-ce que tu as des infos sur qu'est-ce qui va être fait concrètement pour aider la relocalisation par le gouvernement? On a entendu qu'il y a des, je sais pas comment ils appellent ça, mais des espèces de délégués ou des jeunes hauts fonctionnaires qui vont être chargés localement d'aider à ce sujet, en tout cas la mise en œuvre du plan de relance et peut-être à la relocalisation. Donc voilà, qu'est-ce qui est fait concrètement pour ça? Ensuite, on a une question d'Hubert Lévy-Lambert qui dit une remarque: nous serions moins dépendants en matière d'énergie si nous n'avons pas fermé Senheim, et peut-être si nous devons chercher du gaz de schiste de notre sous-sol. Donc je te laisse réagir à ça aussi. Et finalement, est-ce que tu es OK pour partager tes transparents avec notre groupe? Voilà, tu peux nous dire. Déjà, je peux dire à tout le monde que l'étude qui est substantielle, hein, c'est plus de 70 pages, donc c'est un sacré boulot que tu as fait. Elle est trouvable sur Internet facilement, donc elle est disponible. Mais voilà, on te demandait aussi pour les transparents. Voilà, c'est à toi, Paul Adrien. Oui, tout à fait. Pour répondre à la dernière question qui est la plus facile, oui, donc d'une part, l'étude est en ligne, et puis bien sûr, je vous partagerai les transparents. Pour ce qui est des initiatives du gouvernement, personnellement, j'ai aucune information en plus de celles qui sont publiques, notamment parce que je travaille à l'Europe, en fait, à Bruxelles. Mais oui, j'ai compris que notamment dans le cadre du plan de relance, il y a une enveloppe financière déjà qui est dédiée aux relocalisations qui fonctionne comme des subventions à la production, à la relocalisation. Et également, oui, ce que tu mentionnes, c'est le fait d'avoir ce qu'ils appellent les sous-préfets à la relance, n'est-ce pas? Des jeunes hauts fonctionnaires dans les territoires qui seraient chargés de coordonner tout ça.
Je n'ai pas d'infos particulières sur comment ça va marcher, mais il me semble qu'en effet, c'est un truc qui est, enfin, c'est quelque chose qui est sur la table et en cours de mise en place. Et puis. Sur l'énergie, sur les remarques d'Hubert, qui après va te poser une question, qui va te poser une question directement, mais tu peux. Ou alors, peut-être Hubert, tu veux poser directement ta question et inclure aussi l'énergie directement, comme ça, Paul-Adrien répondra à toutes tes questions en même temps. Vas-y, Hubert. D'accord. Eh bien, bonjour, chers camarades, et bravo. Si on peut me montrer ce que j'ai en main. Eh bien, c'est moi qui ai attiré l'attention de Laurent sur ton travail, recevant les documents de la Fondation pour l'innovation politique. Ce n'est que le numéro 1. Le 2, c'était relocalisé avec l'Europe. Le 3, la transition bas carbone. Le 4, laisser les entreprises décider. Et puis, c'est mieux que les trois mousquetaires, puisqu'en fait, il y en a cinq. Le suivant, c'est qui paye ses dettes s'enrichit, pour rappeler quand même que la solution n'est pas forcément de ne pas payer. Mais je suis content de voir que, malgré le titre générique de ces magnifiques travaux de la Fondation, qui est relocalisé, ta conclusion, c'est qu'il ne faut pas relocaliser, mais qu'il faut produire en France un certain nombre de choses, en France et en Europe, un certain nombre de choses qui nous permettent éventuellement d'être en position de force pour négocier avec d'autres personnes qui disposent de choses dont nous n'avons pas, comme le pétrole, par exemple, et provisoirement certains médicaments. Je crois que c'est vraiment très important de ne pas essayer de relocaliser, mais de localiser. Et si tu fais un nouveau rapport, je crois qu'il serait intéressant de savoir pourquoi nous sommes dans cette situation, nous, et pas les Allemands, par exemple, qui pourtant ont la même monnaie que nous et le même mode de vie. Ça serait très important. Et il faut savoir que l'une des raisons, enfin c'est ce que depuis la création d'Ixursault j'essaye d'expliquer, c'est parce que la France vit au-dessus de ses moyens. Nous travaillons moins que les autres, nous sommes arrogants, enfin nous avons tous les défauts. Et donc, il faudrait qu'on analyse toutes ces raisons. Et bien que nous soyons actuellement dans une situation très difficile, François Fillon, il y a une dizaine d'années, avait dit que l'État était en faillite, ça ne s'est pas amélioré. Quand vous voyez le rapport de Moscovici qui dit que la sécurité sociale va avoir une cinquantaine de milliards d'euros de dettes, quand nous voyons que notre commerce extérieur cette année va encore s'aggraver et passer de 60 à 80 milliards, alors que l'objectif devrait être d'avoir un commerce extérieur équilibré. Non pas pour produire tout, comme tu l'as dit, mais pour avoir des productions qui nous permettent ensuite d'échanger conformément aux règles des échanges internationaux, des produits qu'on est plus capable de faire contre des produits que les autres sont plus capables de faire. Je prendrai quelques exemples qui montrent qu'on n'est pas du tout dans la bonne direction. Tout le monde a trouvé que c'était excellent de doubler le nombre de jours de congé de paternité. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. S'il fallait augmenter le nombre de jours de congé de paternité, il fallait diminuer d'autres jours de congé. Mais augmenter globalement le nombre de jours de congé dans un pays qui déjà travaille beaucoup moins que les autres, c'est scandaleux. Un exemple récent, nous avons un prix Nobel de chimie qui est né en France, qui a travaillé en France, mais qui, quand elle a cherché un emploi, ne l'a trouvé qu'à l'étranger, qui maintenant a permis aux Allemands, encore les Allemands, de bénéficier des retombées de ce prix. Donc, il faudrait que tu fasses un nouveau rapport pour voir les raisons de base de notre déficit extérieur, qui, je crois, doivent être corrigées si on veut, non pas relocaliser, mais avoir un commerce extérieur au moins équilibré. Merci et bravo. Vas-y, Paul-Adrien, tu peux répondre. Pardon, désolé, j'ai un problème de batterie. Non, tout à fait. Je pense que c'est hyper important. Et sur l'énergie, on peut,
je pense que bon, la transition énergétique est aussi porteuse de promesses de ce point de vue-là. Mais il y aura toujours des contraintes réglementaires, comme vous le mentionniez. On ne fait pas de forage d'hydrocarbures, par exemple, en France. On peut toujours les lever, évidemment, mais en attendant, elles existent et ça renforce notre dépendance aux importations. Et puis sur la question européenne, là, parce que je voyais dans le chat une question sur comment s'assurer que ça se passe au niveau européen. Deux choses. Enfin, à mon avis, déjà, des initiatives réglementaires d'approfondissement du marché unique, elles sont importantes. C'est ce que j'avais mentionné à la fin, pour avoir un marché qui est vraiment la taille critique de l'Europe et pas seulement une superposition de plusieurs marchés nationaux. Et puis, on peut réfléchir aussi à des transferts de compétences, hein, notamment en santé, à l'Europe, qui ne les a pas eues. Et ça a été. Voilà, au début, c'est passé pour des critiques. Aujourd'hui, on a réalisé qu'en fait, c'était évidemment pas possible d'agir sans compétences. Et donc, on peut envisager des transferts de compétences et des mises en place de stratégies d'approvisionnement commun, comme on l'a fait pour l'énergie, en fait, hein, le pétrole et l'uranium, suite notamment au choc pétrolier, en fait, des années 70. Donc, peut-être qu'on peut voir cette crise comme l'équivalent un peu dans le monde de la santé, dans le monde sanitaire, et que ça va nous faire prendre conscience de l'importance de mutualiser ça pour avoir une force de frappe plus importante en matière d'importation, notamment de ce qu'on ne pourra pas produire sur le territoire. Et puis, dernier point, c'est la question des rendements d'échelle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut arriver à relocaliser si on pense européen et pas national, pour tout ce qui est industrie. Commodité, disons, dans la mesure où là, il faut vraiment une taille critique pour rentabiliser les productions, et que si on l'envisage intelligemment à l'échelle des 27 et pas uniquement de chaque pays, on peut envisager rentabiliser ça plus efficacement, donc relocaliser davantage qu'on pourrait le faire au niveau national. Donc, à mon avis, oui, l'Europe est porteuse de beaucoup de promesses dans le domaine qu'il s'agit en fait de maintenant bien exploiter. Ok, super. Merci Paul-Adrien. Alors, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions dans le chat, mais je vais te poser la dernière et comme ça tu peux conclure parce qu'en plus c'est un peu pour parler du futur. Donc Hubert Montré, ouais, je te remercie Hubert hein, qui m'a signalé ton rapport excellent. Qu'est-ce que vous faites à Fondapol pour promouvoir en fait les idées de ton étude et comment tu vois, toi, la suite? Voilà, Hubert parlait de faire un autre rapport. Donc, comment continuer ces travaux sur la relocalisation pour que effectivement ça soit concret? Et puis après, je te laisse conclure et on finira pour ce soir. Vas-y, à toi. Merci beaucoup. Non, mais merci Hubert d'avoir montré les autres études également, en fait, parce que c'est toute une série qu'ils ont initiée à la Fondapol sur le sujet. Je crois qu'ils vont avoir 8 fascicules. Donc, ça va être assez conséquent. Et l'idée est ensuite d'organiser des conférences dans les territoires et puis peut-être à Paris pour promouvoir les idées et puis surtout susciter un débat sur ces questions. Comme vous l'avez dû le voir, les positions ne sont pas toutes les mêmes dans les différentes notes. Donc, il n'y a pas je dirais, il n'y a pas forcément d'unité idéologique. Ce n'est pas uniforme hein, comme approche. On a chacun des points de vue différents. Et donc, c'est important que le débat vive. Après, voilà, ils ont leur réseau personnel de diffusion. Et c'est comme ça qu'on va essayer ensuite de promouvoir le débat. Ils ont, à l'université de Rentrée d'En Marche, ils avaient organisé un débat sur le sujet aussi également. Donc, on a eu la possibilité d'en parler avec la ministre déléguée en charge de l'industrie et puis le député Kasbarian qui a travaillé beaucoup sur ces questions d'attractivité et de relocalisation. Donc, c'était un premier point. Et donc, après, j'espère que voilà, le débat va vivre au niveau du pays et puis du gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites hein, dans le rapport. Et je pense que pour compléter un peu cette idée de relocalisation et de réindustrialisation du pays qui porte beaucoup, l'idée de localiser vraiment la valeur et les technologies numériques pourrait être un complément intéressant. En tout Super, cas, merci. je vous remercie Merci. beaucoup de votre invitation. C'est un plaisir d'échanger. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, hein, je vous répondrai avec plaisir. Et OK. puis, je vais regarder la note qui est en ligne. Ben super, merci Paul-Adrien, c'était vraiment fascinant. Et puis on attend aussi, voilà, la suite après, comment vous arrivez à convaincre. Et puis parce que j'ai l'impression que vous y êtes attelé et c'est bien à Fondapol et toi en particulier. Ben, merci à toi. Le webinaire est enregistré, donc je t'enverrai le lien, Paul-Adrien, comme ça tu auras la vidéo aussi. Et donc les prochains, c'est lundi, donc à Christian Saint-Étienne.
et notre camarade Le Boucher, qui est donc président d'Atout France, donc jeudi prochain, qui nous parlera du secteur du tourisme, qui a souffert beaucoup, qui souffre encore, et quelles sont les mesures qui vont être mises en place pour faire rebondir un secteur très important pour la France. Voilà, bah, merci à tous. Très bonne soirée. Et puis, voilà, je ferai passer vos messages à Paul-Adrien si vous en avez. Voilà, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.